Salut, salut. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là juste pour apprendre. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que Dieu vous comble beaucoup de son amour dans vos cœurs. Et vous avez la journée, mon co, Yaesengo, pour nous partager ensemble, pour partager la parole de Dieu. Que partager ce qui est réellement ce que Dieu a lingaki tozala depuis son commencement. Et nous allons vraiment apprendre beaucoup de choses de la part du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous apprenons. Et ça, c'est la moulin de Koyekola, Makambulanzambe. Voilà pourquoi je prends ce temps merveilleux et venir dans vos maisons, venir dans vos activités, dans tout ce que vous allez faire maintenant là. C'est lui qui est connecté, ce n'est pas par hasard. Par Dieu, il y a pas de hasard, mais il y a toujours ce que Dieu veut que nous puissions apprendre à travers son esprit. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous prenons ce temps merveilleux de venir dans vos maisons, de venir dans votre présence pour parler de la part de Dieu. Parce que Dieu nous donne des messages et nous sommes ses serviteurs de venir pour y partager. Je salue Maman Marthe qui nous suit à ce moment-ci. Ma femme, mon épouse. Tu vois, la réalité de choses est que quand Dieu nous a créés, quand Dieu a créé Adam et Ève, qu'est-ce que Dieu a voulu que ces hommes qu'il avait créés de vivre ici sur terre, de cultiver la terre? Comment est-ce que Dieu a voulu leur comportement, leur pensée, leur façon de vivre? Qu'est-ce que c'est que Dieu vraiment, oh Nzambe, alingaki vraiment pour nabango bazala. C'est ça ce que nous allons apprendre aujourd'hui. C'est ça ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Mais premièrement, prions et que Totika. Laissons cet enseignement que le Saint-Esprit lui-même nous révèle des choses. Nous allons parler, nous allons apprendre et que cette nourriture aujourd'hui que Dieu va nous donner aujourd'hui, vraiment, de garder en haut jalousement na katinamite manabiso. Alors prions, prions le Seigneur. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ces moments merveilleux que tu es en train de nous donner à ce moment-ci. Seigneur, laisse que ton esprit lui-même qui révèle ta personne, qui révèle l'amour du Père, qui révèle les enseignements que tu as enseignés aux disciples, Seigneur, laisse que cet esprit qui est mon ami intime prend place à ce moment-ci. Saint-Esprit de Dieu, viens nous enseigner, viens prendre place et parle-nous. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Donc, vraiment, nous allons parler de Genèse. Nous allons lire sur Genèse. Okay? Je vais prendre ma Bible. Genèse. Genèse 1, 26 et 27. Et nous allons vraiment faire comprendre au peuple de Dieu ce que Dieu vraiment veut de nous réellement quand il a créé un homme. La Bible, je lis au nom de Jésus-Christ, la Bible nous dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance,
et qu'il domine. Arrêtons-nous là, premièrement. Puis Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine. Tu vois, là déjà, nous voyons que Dieu déjà nous a donné sa valeur, il nous a donné son image, il nous a donné sa personnalité, il nous a donné son trône à lui. Il veut partager, Alindi appelle sa trône naïe. Donc, il y a le cola, pourquoi je dis cela? Il y a le cola, un pays comme par exemple l'Angleterre. Je donnerai un exemple de l'Angleterre. L'Angleterre, c'est un royaume. Un royaume, mais qui gouverne aussi à beaucoup de pays. Le royaume de l'Angleterre gouverne beaucoup de pays. Par exemple, je donnerai un exemple ici qui est tout près de nous, Canada. Canada n'a pas de président, il n'y a qu'un premier ministre. Mais il y a aussi celui qui est au-dessus du premier ministre qui gouverne là, le gouverneur. C'est lui qui représente la reine Elizabeth au Canada. Donc, c'est un ambassadeur du royaume de l'Angleterre au Canada. C'est lui qui représente la reine Elizabeth. C'est lui qui donne des décisions venant de la reine Elizabeth. Donc, la reine Elizabeth a donné toute son autorité sur la personne de gouverneur qui est au Canada. C'est la même chose que Dieu, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Créateur, nous a donné cette autorité de lui représenter ici sur terre. Mais très souvent, nous oublions cela. Nous ne voulons pas de ces pouvoirs-là. Mais nous cherchons ce que Adam et Ève ont perdu. Là, Adam et Ève ont perdu de vivre dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui, le jardin d'Éden n'existe plus. Mais ce que nous devons avoir, c'est reprendre c'est l'autorité de Dieu le Créateur ici sur terre pour pleinement représenter sa personne. Mais ce que nous voyons très souvent est quoi? Est que nous, chrétiens, nous voulons de choses que les yeux peuvent voir. Nous préférons des choses que les yeux peuvent voir. Or que la même manière que Dieu t'a donné cette autorité, tu peux aussi représenter sa personne ici sur terre et avoir cette autorité. Au lieu de voir cela dans une autre personne, toi aussi, tu peux aussi en avoir toi-même. Parce que Dieu n'a pas seulement donné à la personne appelé peut-être prophète, évangéliste, pasteur, et il n'a rien donné. Toi aussi, c'est parce que tu as l'oblu, tu olingi ko vanda sunaka tina autorité wanate. Mais Dieu t'a donné cette autorité. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il n'a pas dit faisons le prophète, il n'a pas dit faisons le pasteur, il n'a pas dit faisons l'évangéliste, il n'a pas dit faisons le docteur, il n'a pas dit faisons l'archibishop. Mais plutôt, il a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il domine. Mais cet homme-là, qui veut refléter l'image de Dieu, doit avoir en lui le respect de cette nature, de cette image de Dieu. Le respect de cette représentation de Dieu le Créateur. Voilà comment la divinité et l'esprit et les anges sont au service de ta personne. Parce que l'autorité t'a été donnée.
Et quand la reine Elisabeth a donné l'autorité au gouverneur qui est au Canada pour représenter le royaume de l'Angleterre, sache-le bien que autour de lui, même dans l'ambassade, même là où il vit, il y a l'armée et il a la parole de la reine Elisabeth dans sa bouche. Il a la signature de la reine Elisabeth. Quand il parle, c'est comme la reine Elisabeth qui parle. Mais nous oublions cela. Nous ne voulons plus représenter la personne de Dieu. Je redis encore, Dieu n'a pas seulement donné l'autorité aux pasteurs, aux prophètes. C'est juste après, quand il a vu que l'homme ne voulait plus de cette autorité-là, maintenant il a commencé à choisir des gens pour lui représenter, pour parler de son propos. Tu vois, ce sont des choses comme ça, là, qui nous fait quitter dans sa présence. Qui nous fait quitter dans sa présence. Excusez-moi, c'est mon fils. Qui nous fait quitter dans sa présence. Quand nous ne reconnaissons pas qui nous sommes. Metoninko landa babiloko oyo eza kaka babiloko extravagant. Oui, que toi-même tu ne te connais pas. Oyebi qui tu étais. Même si on te donne la chanson que j'aime beaucoup, I know who I am, I know who I am. Mais au-dedans de toi, tu souffres toujours. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas représenter la personne que Dieu a dit ici dans Genèse 2, 26. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine. Tu as le pouvoir de dominer partout ici sur terre. Mais le malheur de l'homme, c'est quoi? C'est que nous ne voulons pas vivre dans la divinité, vivre dans la crainte totale de Dieu. Nous ne voulons pas ça. Voilà pourquoi nous n'avons pas cette autorité. Voilà pourquoi que Dieu a changé. Bon, Dieu n'a pas changé, mais Dieu a préféré. C'est le mot qui convient. Dieu a préféré de commencer maintenant à choisir des gens qui peuvent représenter sa personne, représenter son royaume. C'est parce que nous, les hommes, nous ne voulons pas vivre dans la divinité, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Nous ne voulons pas vivre dans la crainte de Dieu. Voilà pourquoi l'autorité que Dieu a déposée sur nous ne plus. Et nous commençons maintenant à chercher des hommes pour parler, pour prier pour nous. Or que toi-même aussi, tu peux en avoir. Aujourd'hui, je te parle, mon frère. Aujourd'hui, je te parle, ma sœur. C'est le temps maintenant de prendre des choses au sérieux dans ta vie, dans ta personne, dans tes relations à toi. La seule chemin de suivre, c'est le chemin qui nous amène au royaume. C'est le chemin de Jésus-Christ. Il est le chemin, la vie et la vérité. Comment est-ce que, quand tu t'appelles toi-même, je suis chrétien, mais tu ne veux pas représenter la personne de Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il vivait? Comment est-ce que toi tu vis? Comment est-ce que toi tu vis?
Quand nous représentons une personne, quand tu prends cet nom, tu dis que non, je suis chrétien. Que je suis chrétien. Mais est-ce qu'au-dedans de toi, vraiment, tu représentes la personne de Jésus-Christ? Est-ce que vraiment, si on te pose même des questions, si tu connais Jésus-Christ, tu sais, tu diras seulement, il est mon sauveur, il est mon maître sauveur. C'est tout. Qu'est-ce que tu sais? Il est allé à la croix pour moi, il est mort pour moi, il a pris tous mes péchés. C'est tout que tu connais. Mais sa façon de vivre, comment est-ce qu'il a hérité l'autorité de Dieu le Père ici sur terre pour transformer des gens, pour libérer des gens captivés du diable? Changeons notre mentalité. Quand on dit la nouvelle New Gospel, c'est de changer. Ça vient, ça nous transforme. Ça nous change. Donc, cette autorité est là pour toi. Quand Dieu a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine. Si nous allons plus loin, nous allons voir que Dieu a donné l'autorité à l'homme de donner le nom sur les animaux. Pourquoi? Parce qu'il a voulu que l'homme exerce ce qu'il a donné à cette personne, ce qu'il a donné à la personne d'Adam, qui était le seul homme à cette époque-là. Mais aujourd'hui, nous fuyons. Nous fuyons cette autorité. Nous ne voulons pas de cette autorité. Nous ne voulons pas de cette autorité-là. Nous préférons vivre dans... Nous croyons que nous vivons dans la paix. Oh non, je ne veux pas. Moi, je reste dans mon coin. Osomikosa, mon frère. Osomikosa. Osomikosa. Vivre dans la parole de Dieu, c'est vivre dans la simplicité. C'est vivre dans l'amour. C'est vivre dans la justice de Dieu. C'est là où se base toute chose. La justice et l'amour de Dieu. C'est vivre dans la justice et l'amour de Dieu. Tu fais du mal à quelqu'un et tu vas à l'église. Ça, on va en parler l'autre jour. Tu dois vivre dans la justice et l'amour de Dieu. C'est là où réside maintenant, c'est là où tu vas requérir l'autorité. L'autorité de Dieu. L'amour de Dieu ne regarde, n'est à la ranango l'autorité. Alinga kakaka. Le bon et le mauvais. Rabbi, la pluie tombe sur le bon et le mauvais. Son amour est sur le bon et sur le mauvais. Donc, son autorité, to reprendre autorité en Zambé, to vivre sur Yango, qu'on vit sur ça, qu'on vit sur l'autorité divine. Ici sur terre, tu es un ambassadeur qui représente le royaume des cieux ici sur terre. C'est pas par hasard que tu es ici sur terre. Ça c'est vrai, c'est pas par hasard que tu es ici sur terre. C'est pour représenter sa personne. C'est pour faire vivre la personne de Dieu le Créateur ici sur terre.
Mais comment est-ce que tu peux représenter cette personne? C'est en lisant la Bible de connaître cette personne. Tu dis que tu es chrétien, mais tu ne lis même pas la Bible. Même un chapitre par jour, tu ne le fais pas. Comment est-ce que tu peux acquérir cette autorité? Comment est-ce que tes yeux peuvent être ouverts et que Dieu peut te faire voir que non, ce chemin, il ne faut pas prendre ce chemin. Va l'autre chemin. Tout ça, c'est que Dieu nous a donné dès le début, dès le début quand il a créé Adam et Ève. Ya koyokae tangazoya. Tangazolo banayo koyokae. Ce sont des choses qu'on a perdues. Et Dieu est amour. Il a toujours donné cela. Et ça l'a disponible pour la biso. Mais est-ce que biso tolingi, vraiment, on veut le reprendre? Pour requérir cette autorité-là? Donc, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine. Comment est-ce que tu peux dominer ici sur terre? Comment est-ce que tu peux dominer ici sur terre? Comment est-ce que tu peux représenter Dieu ici sur terre? Par sa justice et son amour. Vivre dans la crainte de Dieu. Vivre dans la sainteté. Mais comment est-ce que tu peux vivre dans cette terre et représenter Dieu? Et représenter Dieu, c'est ta pensée à toi. Est-ce que tes pensées à toi? Nous préférons avoir des pensées négatives dans nos têtes. Oh, c'est une bandelo et ah! Et le Congo, vraiment, est-ce que Simba? Des pensées négatives. Nous avons des pensées négatives dans nos têtes. Si Dieu a mis ces pensées au Kanisangona Moutounos, c'est parce qu'il connaît que ça va réussir et ça serait bien pour toi. Et vous allez bien pour Nayo. Il faut toujours penser positif. Que nous avons un business et que Simba. Nous avons un business et que Simba. Ça va réussir. Mais tant que nous avons un business, vraiment, même si nous avons un business, tu commences à avoir un business. Je ne te vois pas. Vraiment, je ne te vois pas. Est-ce que tu peux... Tu n'es pas bon dans la business. Tu n'es pas bon dans Ninou. Ce sont des mensonges. Des mensonges. Ce qui olingi et lokwana. Olingi et lokwana. Namute manayo. Et tu veux faire ça. Pense positif Keko Simba. Et ne plus avoir des gens négatifs tout autour de toi. Qui apportent que des énergies négatives dans ta vie. Non. Yango, la Bible nous dit, mieux vaut être seul que de mauvaise compagnie. C'est pas pour rien. Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Mon frère, ma soeur, tout est dans la Bible. Si tu vois que des gens amènent seulement des négativités dans ta vie, longwawana, quitte. Quitte. Et ça place naoté. Tu dois avoir des gens qui ont des énergies positives, qui peuvent te soutenir malgré ta soko sali erreur au koyo lobi que t'es, mon frère.
telema to continue nzela. Muta ibzo non, it's okay, ça va. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Continuons le chemin. To continue nzela Ekosimba. Ata batu baye ba salindenge ba niko sala ke no po suisse o mutema. Garde silence. Continue chemin na yo Ekosimba. Mutema na yo na pensée nous a toujours positive. Continuer chemin Ekosimba. Ekosimba. C'est pas pour rien Dieu a dit qu'il t'a donné son autorité à lui sur toi. Il t'a donné son autorité sur toi pour le représenter. Il n'a pas dit seulement que non. Oh mon Dieu. Écoute mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, c'est ton jour à toi. De dire, aujourd'hui, là, na télémi. Les gens là qui amènent des énergies négatives, longola bangola nzela na yo. Longola bangola nzela na yo. Soko otika la yo moko, otika li yo moko. Mais tu sais, je fonce. Je vais et na kokoma Ekosimba. Ekosimba mon frère, Ekosimba ma sœur. C'est pas parce que obandi boye et que et simba kite lobite ki non et osimba te. Non. Continue kakawana. Ne place yo lingaka continue kawana et osimba. Ekosimba. Et osimba. Donc, nous avons dit, la première des choses, c'est à penser, Nayo. Donc, penser, tes pensées ne doivent pas être des pensées négatives. Tu dois avoir des pensées positives. Et autour de toi, tu dois avoir des gens qui sont là. Il y a toujours élevé. Il y a toujours élevé. Il y a toujours une énergie. Il y a positivité. Il y a Simba. Il y a Simba, mon frère. Il y a Simba, ma soeur. Mais si tu as des gens au azo ebiso que non a na monique o ezelo na ote non lo bana yo kosi o kosi même ata mutema na omoko peso ebiso que non ah il y a des doutes lo a o kosi parce que des doutes ne viennent pas de Dieu. Des doutes ne viennent pas de Dieu. La deuxième de chose est le rêve. Tes rêves à toi, quand tu étais gamin, tant aux acquis moana, tu avais des rêves. Les engas sont inakoui. Il faut na zalaboye. Ceux inakoui, il faut na ndakunange zalaboye. Ceux inakoui, nangi famille nangai ezalaboye. Ce sont des rêves que tu dois garder. Mais nous très souvent tokomi ko inculqué ba tusiko yo ba bossa na ba rêve na bango. Dans nos enseignements, dans nos prédications. Et komi ko sala ke batu, ba komi ko bossa, oh yo tikala kaka en église, yo vandaka en église. Nzamba opamboloka na église. Ce sont des choses que nous devons changer. Dans nos prédications, ce sont des choses que nous devons changer. Quand Dieu appelle quelqu'un dans son royaume, c'est pour le représenter. C'est pour le représenter. C'est pas pour rien que Dieu l'a appelé dans son royaume. C'est pour le représenter. C'est pour le représenter. Mais très souvent, nous voulons toujours bon, mon garçon a un barabien, tika la kan église nanga. Nous ne voulons pas produire
Romain, un musicien, a yembaka bien, a vanda na yen église. Donc, des années, à tel bon moko ta bimisa. Ou salise a ta bimisa le bon moko. Mon frère, ma soeur, reprends ton autorité. Reprends ton autorité à toi. Que Dieu t'a donné. Mais demeure aussi dans l'église. Demeure dans l'église. Donc, rêve tes rêves que tu pensais. Même à ta soki, ça arrive que au bossa nango, au bossa na yango. Mais quels sont tes rêves maintenant là? Qu'est-ce que tu veux devenir demain ou 5 ans? Tu te poses des questions. Même il faut écrire. S'il faut écrire, il faut écrire. Tu écris. Qu'est-ce que je veux devenir dans 5 ans? Tu écris cela. Et maintenant, tu écris qu'est-ce que je dois faire pour que nakoma na rêve na ngawana. C'est ça. Qu'est-ce que tu dois faire pour arriver et vivre dans ces rêves-là? Donc, okomi nyosomi baleona. Maintenant, tu vis dans ça. Chaque jour, tu relis ça. Tu relis ça. Tu vas vivre en ça et au moins que c'est réalisé. Ça va se réaliser. C'est l'autorité que Dieu t'a donnée. Ce sont des autorités que Dieu t'a données. Donc, la deuxième des choses était le rêve. Maintenant, la troisième, c'est le désir. Le désir. Quand tant vous osui rêve, autant vous en rêve wana, que non, je veux vraiment devenir pilote ou devenir docteur ou devenir un grand politicien ou devenir un grand professeur ou devenir un grand prédicateur ou devenir un grand enseignant. Ce sont des rêves. Mais aussi, il faut avoir ce désir-là. Il faut avoir ce désir aussi. Ce n'est pas seulement le gens te poussent. Oh non, c'est ton monio côté où nous a bien. On voit que ce domaine ici, toi, tu es fort. Oh, ok, mais est-ce que tu as ce désir? C'est bien aussi que nous, Batumusuba, Bamona, Oyoyo, ils ont quoi? Miroir. C'est comme un miroir. C'est bien. Mais est-ce que toi-même, tu as ce désir-là? C'est très important. Ce n'est pas seulement parce que tu es arrivé aux États-Unis que des gens te disent que non, oh non, la nursing n'est pas un bon. Quand ta classe, il y a infirmerie, aux infirmiers, et aux alambongo. Aux alambongo, aux alambongo. Mais est-ce que vous avez un désir, Wana? Est-ce que vous avez un désir au coco mona makila moutou? Est-ce que coco mona moutou n'est pas solié pour aller à l'hôpital presque au katana, vous êtes capable de soigner? Est-ce que vous avez un désir, Wana? Est-ce que tu as vraiment ce désir? Si tu n'as pas ce désir, à ta ce qui va te faire un désir, tu n'as pas ce désir. Ça, c'est là où vous avez un désir dans mon thème. Ce qui est moni, que non, oh, il faut que la pilote. C'est ça. Ndé oyo kaka bien pénal tant aux sola makamboa et à cause à pilote sentir pénal que non aux apena na pona yo. C'est ça que tu dois faire. Yango ndé faut ça. Et tu seras béni dans ce chemin là. Ozala béni, je te dis que tant même au sala musala aux sala ngo pona mbongo te mo sala ngo parce que tu as ce désir-là. Au salon, malgré toi, nous au salon, parce que
ozana désir wana, ozana amour wana. La quatrième de choses, oyo, que non, je veux vraiment, pour aller là, je crois que tu reçois kana wana, quatre choses, et on va commencer recommencer la semaine prochaine. Pour l'enroper ça, parce qu'il y a beaucoup. La quatrième, c'est le but. But n'a aussi que ça. Ni ni pone lokwana. Qu'est-ce que Eloroni nous a pris à couper ça pour na lokwana? But na yo isa nini? But na yo isa nini? But na yo isa nini? C'est ça. Donc tant qu'on a englobé siko wana, englobé pensée. Nayo, ils sont toujours positifs. Ils sont toujours positifs. Rêve Nayo. Désir. Na but Nayo. C'est ça que on a parlé aujourd'hui. Donc, on a lu tout en dit Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance qu'il domine. C'est ça que Yangonde tout en dit, verset tout en dit l'élo Yangouane. Que mutap akosayote, que personne ne te mente. D'une façon ou d'une autre, nous tous, nous voulons cette autorité, ce succès. Ezala na musala, ezane lokozo sala, biso nyonso, tolingaka, succès wana. Mais ce que c'est succès a une obligation à vivre dans la vie. Il y a des lois que tu dois vivre, des lois que Dieu gouverne si c'est sur terre, que tu dois respecter pour acquérir cette autorité, pour acquérir ce succès. Et parmi ces lois, on a parlé sur le penser, sur le rêve, sur le désir et le but. C'est ça qu'on a parlé aujourd'hui. C'est vraiment ça qu'on a parlé aujourd'hui. Et que Dieu vous bénisse, vous garde et vous protège là où vous êtes. Et que ces enseignements vraiment soient gardés dans vos cœurs. Pour vivre dans l'autorité, c'est ce que nous avons besoin. Je donnais que 4 aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on va donner plus. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.